Une petite nouveauté bien pratique de Geniali quand on veut faire des escape games, c'est le fait de pouvoir rajouter à partir de maintenant, sur chaque slide, en cliquant sur les trois petits points à côté de la slide ici, un mot de passe à chaque page. Quand je clique là-dessus, je peux définir un mot de passe que les élèves vont devoir rentrer avant de pouvoir accéder à la slide suivante. Parfait pour faire un escape game ou un jeu à progression dans Geniali.